Georges Viétrides, l'univers que vos peintures nous révèlent est un univers étrange. On a l'impression d'être sur une planète déshumanisée. Déshumanisée, certainement pas. Il y a des traces de passage de l'homme, où l'homme lui-même se trouve présent dans mes toiles, simplement il a maîtrisé la matière. Et ça lui a donné une domination totale, il sort chez lui sans porte ni fenêtre. Pourquoi vous avez effacé toute trace de route? Il n'y a pas de maison. Où vivent-ils, ces hommes-là? Mais ils sont maîtres du territoire, donc ils n'ont pas besoin de murs pour être protégés. Ils ont la jeunesse éternelle. Les yeux ont perdu la couleur des vaisseaux qui alimentent l'iris, mais ils ont pris la couleur de la chair. Hein? D'une part. Et par ailleurs, c'est cette angoisse qui les habite, mais qu'ils semblent avoir résolue. C'est parce qu'ils peuvent dialoguer directement avec l'infini. Ce sont plus les hommes. Ils sont très près du divin, oui. Alors, le peintre, finalement, quelle est sa mission? Sa mission, c'est d'accompagner la science, de la connaître, de connaître le langage de ce que font les hommes, selon ses possibilités de temps. Et c'est pour ça qu'un peintre ne peut être que professionnel. Il faut qu'il dépense tout son temps, toute son énergie pour pénétrer les activités des hommes, en faire une analyse aussi complète que possible, en faire la synthèse, et ensuite œuvrer pour dépasser ce travail intellectuel. Mm-hmm. Après qu'il donne une image qui contienne la pérennité. Si c'est une image de reportage, s'il correspond exactement à ce qui est demandé au moment où il peint, il n'est personne. Personne. Parce que celui qui accompagne directement la civilisation n'est rien. L'aventure est toujours individuelle. Elle n'appartient jamais à la masse. Le peintre qui accompagne la science et qui veut la dépasser, par son intuition majeure, c'est-à-dire celle qui contient l'étincelle de la survie, là on pourrait rentrer dans la grande mystique, eh bien, peut donner une image, appréhender une image de ce que peut être le futur, lorsque le futur est un dialogue entre l'homme qui aboutit dans toute son expérience avec ce qui est infini, et dans le grand infini. Et dans le grand infini, évidemment, on peut mettre le mot « divin », on peut y mettre le mot « créateur initial », on peut y mettre le contraire du néant. La lumière, quelle mission vous lui avez assignée dans vos toiles? Mais la lumière, c'est la lumière dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'ai maîtrisé une forme de lumière qui est spécifique à ce qui nous arrive de l'extérieur. La lumière dont vous parlez, c'est une lumière libérée de la forme. Quand vous mettez un objet entre vous et le soleil, si c'est une pomme, s'il est à 3 mètres de votre front, vous n'aurez pas d'ombre sur votre front. Parce que la lumière va contourner l'objet, qui est un fruit, et se comporter comme une vague, comme de l'eau, qui entoure un rocher. Et en étudiant ce problème d'une façon plus profonde, on pénètre dans un domaine scientifique très intéressant. Vous avez à la fois une démarche d'artiste et une démarche d'homme de science. Mais on ne peut pas séparer les deux démarches. Mais mon intuition, je vais lui demander de dépasser ce qu'a fait la science. Et donc, d'aller au-devant des espoirs qu'elle semble résoudre, ou vouloir résoudre. Donc finalement, le peintre, c'est beaucoup plus qu'un homme de science. C'est aussi beaucoup plus qu'un homme de science, parce qu'il procède, évidemment, de la science, mais c'est un parti pris, parce qu'il y a des peintres qui intuitivement intéressent l'humanité par l'amour qu'il leur donne. Certaines de vos toiles sont également reproduites sous forme de métallogrammes. Oui, ce sont des icônes métalliques. Les pièces sont rapportées selon un puzzle bien précis en restituant le trait que je désire. Et évidemment, j'aime beaucoup le métal parce que le métal, il représente une noblesse à la sortie du laminage que même le lamineur reconnaît, n'est-ce pas? Il a cette particularité d'avoir une qualité neuve, comme devait l'être l'âme première qui a allumé la race humaine. La race humaine a raison d'espérer quand même. Telle qu'on la conduit maintenant, elle n'a aucune raison d'espérer. Si on l'abandonne telle qu'elle est, elle ne peut pas elle-même définir ce que c'est que l'espoir. Au contraire, elle est en transe. Mais quand on examine votre travail, on a quand même le sentiment qu'il y a là des êtres qui sont parvenus à la conquête d'un certain absolu. Oui, ils sont heureux, ces êtres-là. C'est vrai, mais c'est un travail individuel.
le programme est de trouver l'éclat, la lumière qu'on a en soi, qui est prête à jaillir à tout moment si on choisit la voie qu'il faut. Et cette voie-là, chacun doit la trouver lui-même. Vous souhaitez connaître la date de la prochaine exposition de Georges Yatridès ? Téléphonez au 42 78 28 28 ou composez sur votre Minitel 3615 code Salambeau.